avec des terroristes. On en a marre avec des crimes contre l'humanité. Ça va ici? Oui, ça va très bien. Il n'a pas d'arrière-garde. Non. Ni du côté de Brazzaville, ni de l'autre côté. Ah, le pape aussi? Oui, le pape, en octobre. Parce que quand vous étiez en train de parler, vous avez à peu près les mains comme ça. Voilà, j'ai fermé ton micro. Ouais. C'est une déclaration d'une confusion totale de la part de M. Tshisekedi. Dès lors que la Cour constitutionnelle a dit que après le 19, le président en fonction reste jusqu'à la proclamation du nouveau président, eh bien c'est ça qui s'applique. Et je ne vois pas pourquoi ou par quel mécanisme la communauté internationale va le suivre, par quel mécanisme le peuple va le suivre. Que les évêques n'ont pas de temps à perdre. On a déjà dépassé le moment de discussion, de thèse, de droit, de sciences politiques. On est arrivé à une phase où il faut la volonté politique pour faire des concessions dans le respect du cadre constitutionnel. Et il ne faut pas beaucoup de temps pour ça. Donc je crois qu'à un moment donné, les évêques devront prendre leurs responsabilités si on continue à les traiter d'une certaine façon.